Hello Cindy, donc tu sors d'un soir avec moi et tu étais là hier et raconte-nous ce qui s'est passé. Gilles, mon cher Gilles. Bon ben je suis venue à ta session d'hier un peu sceptique, tu vois, même si j'ai une spiritualité auquel je crois en beaucoup de choses, mais pour moi il a toujours été question de pratiquer sur le long terme pour commencer à avoir des vertus, donc j'étais assez intriguée par le fait que les gens avaient des résultats immédiats. Donc comme ça fait un an que je souffre depuis mon accouchement, je souffre de sciatique aiguë, je souffre des lombaires, à des fois ne pas pouvoir marcher, médicaments inefficaces. Efficace. J'ai vu des kinésithérapeutes, des ostéopathes, j'ai fait de l'acupuncture, de la mésothérapie, de la balnéo, enfin j'ai fait énormément de choses pour essayer de me soigner, des infiltrations, enfin rien n'a fonctionné et je me suis dit ben pourquoi pas, on va essayer autre chose. Et du coup ben, j'ai une amie qui n'arrêtait pas de me partager tes vidéos et je me suis dit bon allez pourquoi pas, on y va, tu es ici comme par hasard, donc je prends ta session. Et c'est vrai que hier, bon, je suis venue, j'étais pas forcément très concentrée, tu vois. Et tout, mon esprit divaguait vite, surtout pendant les séances de méditation. Je me disais, ah, c'est long, quand est-ce que ça va s'arrêter et tout. Et puis quand on a fini la première session, j'ai eu une recrudescence de douleur et tout ça. Donc je commençais à avoir mal au cou et je me suis dit, ouf, j'ai plus de douleur qu'à l'arrivée. Et puis à un moment, tu as fait ce cadeau que tu as offert là sur la fin. Et en fait... j'ai l'impression que la douleur s'était évaporée, mais jusqu'à ce que je me lève. Et tu vois, quand je me suis levée, du coup, là, c'était plus pareil. Et tu as vu, tout le monde m'a regardée. Enfin, je suis partie marcher, en fait. Marcher, monter l'escalier, descendre pour voir comment était la douleur. Et je suis arrivée avec une douleur à, je sais pas moi, à les 9 sur 10, parce que j'ai connu plus de douleurs que ça. Là, j'étais à 9 sur 10. Et clairement, à la fin de la séance, j'étais à les 2 sur 10. Hier soir, j'ai dormi dans une position qui est très douloureuse pour moi et j'ai essayé de me lever deux fois. D'habitude, c'est impossible de me redresser tout de suite. Je suis obligée d'attendre 5 minutes et tout, que la douleur se dissipe petit à petit. Hier soir, je me suis levée comme ça, à deux reprises, sans douleur. Enfin, franchement, c'est... Et la position douloureuse, elle était douloureuse hier soir ou pas? Elle n'était pas douloureuse hier soir. Là, je ne vais pas dire que je n'ai plus de douleur. J'ai toujours des douleurs, mais c'est... En fait, je ne vais plus parler de douleur, je vais parler de gêne. Je suis plus dans la douleur là, je suis dans la gêne et tout ça, mais c'est vachement plus supportable que les 12 mois l'année passée. Donc franchement pour les sceptiques, il faut, ça sert à rien que je vous dise, je vous donne mon témoignage personnel, mais il faut le faire pour voir, voilà. Donc Gilles, merci, t'es une bénédiction et merci pour ce que tu fais. Merci.